Yo les gens, ici Rafi 60250. On se retrouve pour l'entraînement quotidien terminé du 7-4 2019. Voyons voir ce que je vais avoir comme voiture aujourd'hui. Donc il y a deux voitures qui sont pas mal. Donc on va voir si je vais tomber dessus. Ah non. Je voulais avoir les deux autres après là. Ah, celle-là je crois que je l'ai pas, celle-là, l'Alfa Romeo 4C. Ça m'étonnerait que je l'ai celle-là. Donc une que j'ai pas. Mais j'aurais préféré avoir tombé sur les deux voitures d'après. Donc hop, on va voir, mais je crois que je l'ai pas celle-là. En plus, c'est une petite compacte, elle est vraiment pas mal. Donc hop, et c'était Alfa Romeo, c'était là. Ah bah non, je l'avais déjà. Ah non, c'est pas la même. Moi, celle-là, c'est celle que j'avais achetée, si je me trompe pas, elle était disponible avec les contre des maïs, voilà. Et celle-là, c'est la normale. C'est la catégorie normale, quoi. Donc je vais vous la montrer. On va aller voir combien elle vaut déjà. J'ai pas regardé depuis. Attendez, je vais regarder vite fait. C'est pas des nouveaux véhicules à acheter avec des mics, on sait jamais. Non, celui-là j'ai déjà acheté celle-là. Celle-là aussi je l'ai déjà. Je vais voir vite fait quand même. Ouais, elle doit valoir pas trop cher, elle doit valoir dans les. À peu près moins de 50 000, je crois, à peu près. Si je me trompe pas. Donc ça, Alfa Romeo, c'est italien aussi, je crois. Si je me trompe pas. Ben voilà, italien, Alfa Romeo. Il doit pas en avoir des masses dans cette marque-là. C'est celle-là. Ah oui, 89 000 quand même. Ah oui, quand même. Et il y a même une version course. GR4. Je savais même pas qu'il y avait une GR4 aussi. Ah bah, je voulais la prendre. Comme je faisais les courses GR4. Je vais prendre quand même celle-là aussi, également. Du coup, on a plusieurs couleurs aussi. Attendez. On a la couleur verte et rouge. Rouge et vert, donc c'est le contraire. Ou en bleu. Ah, j'aime bien en rouge, moi. Rouge avec les... Ah ouais, moi je préfère... Rouge, j'aime bien, moi je prends celle-là. J'ai quand même acheté celle-là, oui. Donc, voulez-vous être ajouté garage? Oui, ajouté au garage, oui. Par contre, je sais pas si je la conduis ou pas. Ah oui, je la conduis, merde. Du coup, ouais, ce que je voulais vous montrer, c'était celle-là, attendez. Donc là... Il y a même une historique. 10 millions. Oh là là. Pff, oh là, là. Comment coûte cher. Elle est pas mal aussi en GR3 aussi. Elle est vraiment pas mal comme voiture. Donc du coup, c'est celle-là. Donc si vous voulez la voir normale. Donc elle est comme ça. Ah franchement, elle est pas mal. Hein. Elle a vraiment de la gueule, je trouve. En plus, c'est la Launch Edition. Donc on a gris ou noir ou rouge. Et en version quand la voiture roule dynamique, on va dire en version dynamique, en vue dynamique. C'est quoi le trou qui est sur la calandre au milieu? C'est bizarre. Il y a un trou à gauche sur la calandre. Bizarre. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Salut, bye bye, portez-vous bien. Peace.